it's all the same. Some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same. You won't take the blame, even when you are blowing up. Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une Peugeot 208 deuxième génération. Une belle lionne. Voilà, comme vous pouvez voir juste derrière, on vous avait déjà fait une vidéo sur la 208 première génération que José nous avait présentée. Et ben cette fois-ci, c'est ça, remplaçante. Allez, voilà, on attaque. Voilà, donc comme on vient de vous le dire, une 208 de deuxième génération. Celle-là, elle est toute neuve puisque je l'ai récupérée. Elle avait 12 km. Bon, là, elle en a un petit peu plus. On a fait le tour de la France et de l'Europe avec. Voilà, donc elle est toute neuve. Elle est du 18 juin 2020. Donc, elle a un peu plus de 2 mois. Alors, c'est une finition, je pense, de bas de gamme. Mais quand même, il y a des belles options parce que je vais vous faire voir par exemple la signature lumineuse. Donc, voilà, elle a les crocs LED, ce qui n'est pas le cas sur toutes les 208 puisque c'est une option. Et vous pouvez voir aussi ici qu'on a des optiques de phare en full LED avec écrit Peugeot LED Technologie. Alors c'est juste ici, vous voyez un petit peu dans le reflet. Sinon ben, voilà, on est en full LED. Que ça soit pas en chrome, ça serait plus d'impact. Ouais, c'est vrai. Donc full LED comme je l'ai dit. Par contre vous verrez, il y a des choses qui sont bien finies, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien finies. Comme vous pouvez voir, René tout à l'heure me le faisait remarquer, on a une belle calandre aussi avec des petits inserts chromés un petit peu partout. Franchement, ça lui donne une belle gueule. Mais je pense que les toutes premières gammes, vraiment de chez première gamme, n'ont pas ces inserts chromés. Ouais, je sais pas, mais bon, en tout cas la face avant qui est bien finie. Vous pouvez voir aussi comme ça, vraiment pile poil devant. C'est vrai qu'elle en impose quand même. Ben pour une citadine, on va dire du premier prix, elle doit coûter entre 10 et 12 000 euros minimum. Ouais, je pense un petit peu plus quand même. Parce que sachant qu'elle a l'option full LED, comme je le disais en début de vidéo, qui n'est pas le cas parce que il y a possibilité aussi de prendre juste les normaux. Il peut y avoir de l'halogène et donc et le croc LED est juste remplacé par un morceau de plastique noir en fait. Ah, donc celle-là, c'est pas une version bas de gamme. Je pense que c'est juste des options qui sont en plus. Elle doit avoir une finition basse, mais avec le rajout peut-être de la finition. En fait, c'est des options un peu rajoutées. C'est une première gamme. Avec des petites options par-ci par-là, je pense, de part et d'autre qui sont rajoutées. D'ailleurs, on vous fera voir après, mais à l'arrière, c'est pas en LED. Donc, vachement dommage. Ça marque moins. Ça dénote. Ouais. Ça dénote entre l'avant et l'arrière. Parce que vu qu'il y a marqué Peugeot LED Technologie à l'avant, on s'attend à avoir de LED Technologie de partout, mais non. Alors ensuite, pour ce qui est de la motorisation, c'est un 1 litre 2 PureTech 75 chevaux, donc un 3 cylindres, le 3 cylindres de chez Peugeot. Les amis, petite rectification, quand je dis sur la vidéo que c'est un 1 litre 2 PureTech 75 chevaux, en réalité, on a été induit en erreur sur l'application sur laquelle on regarde les motorisations des voitures qu'on essaye, qui nous annonçait donc un moteur de 75 chevaux. En réalité, c'était un 1 litre 2 PureTech. De ce côté-là, c'était bon, mais c'était pas 75, mais bien 100 chevaux. Ce qui ne m'étonne pas, vu comment elle marchait, je trouvais que 75 chevaux, ça paraissait un petit peu trop léger. Donc, 1 litre de PureTech 100 chevaux, non pas 75 chevaux. Le 75 chevaux existe bel et bien sur les 208 de deuxième génération, mais seulement sur les finitions like. Là, nous n'étions pas sur une finition like, on n'était pas non plus en GT Line, mais c'était pas une finition like. Donc, 1 litre de PureTech 100 chevaux, vous verrez plus tard dans la vidéo, René va reparler du 75 chevaux. Ne l'écoutez pas, il dit que des conneries ce mec-là. Voilà. Allez, on continue de regarder cette vidéo. Que j'ai déjà pu essayer donc sur la 208 de José, que vous retrouverez à la fin de la vidéo. Je vous mettrai un petit lien. C'est sûr que c'est le même parce qu'il a l'air différent. T'as pas la même conduite. Alors, José, il a 68 chevaux, je crois. José, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire si je ne me trompe pas sur ta motorisation. Sinon, allez voir sur la vidéo. Donc en question, que je vous mettrai, donc, comme je viens de le dire, à la fin de la vidéo, vous aurez un petit lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc lui aussi, c'était un 3 cylindres. Je l'avais dit aussi, quand on fait l'essai de la Seat Ibiza, j'avais parlé que j'avais essayé le C3 Aircross, que tu avais essayé aussi en passager, qui lui aussi était en,
en 3 cylindres et j'avais dit que les 3 cylindres de chez PSA, j'étais pas très fan. Là, j'avoue que. Mais Alors, est-ce que. je le sens différent. Est-ce que c'est une question d'habitude, même si j'ai pas tant l'habitude que ça de les conduire, mais est-ce que c'est mon impression qui est différente parce que Là, peut-être je suis mieux luné, j'en sais rien, moi, mais mon c'est avis vrai que je le perso, trouve je un peu trouve plus qu'il est beaucoup agréable. plus souple, celui-là, beaucoup plus souple. Il est plus souple, par contre, il y a toujours ce, comme je te le disais tout à l'heure, les moteurs turbo qui sont moins souples, qui sont plus brusques que les moteurs Ben oui, atmosphériques. quand le turbo se met en route, c'est sûr que Bah, c'est un peu trop même turbo. à basse vitesse, etc., on sent qu'il y a un petit peu plus d'à-coups que sur un moteur atmosphérique. Donc, toi et moi, je pense que toi, c'est pareil que Oui, moi. oui. En tout cas, j'ai une préférence pour les moteurs atmo. Donc voilà, on va continuer la présentation extérieure de cette voiture avec, comme vous pouvez le voir ici, des jantes tôle En 16 avec pouces? des enjoliveurs qui sont donc en 16 pouces. Mais je trouve qu'ils sont sympas ces Donc enjoliveurs, ils sont un peu finis, ils sont sympas. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y a des belles options et puis d'autres options qui sont juste, bon ben voilà, comme vous pouvez le voir ici, jantes tôle, enjoliveurs. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, on peut voir aussi, donc René et moi, on adore les traits de design. Vous pouvez voir par exemple ce trait-là, celui juste du dessus, qui fait une genre de gouttière, vous voyez ici comme ça. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi la poignée de la portière conducteur, elle est enfoncée entre ces deux lignes. Ouais, là Elle est il y a une d'habitude, par ligne. exemple, sur ma DS4, la portière, quand tu regardes dans le rétro, Oui, la poignée, elle ressort. elle est bien, enfin la carrosserie est Voilà, là il faut. continue. Ouais. Ta main tu Elle rentre vas dans quand la tu vas portière, ouvrir, pas à elle rentre l'intérieur. vraiment dans la portière, ouais. Moi, une ligne que j'adore, c'est cette ligne-là. Elle va là et elle ressort dans cet insert plastique Ouais. qui va jusqu'au rétro, là, qui est le support du rétro. C'est un petit aileron, c'est sympa. Après, ça continue dans la barre Alors le rétro d'étang. qui a à peu près la même forme que ma DS4, on en revient encore à elle, mais le rétro qui a à peu près la même forme, par contre, il est différent. Puisque là, on retrouve, moi sur la DS par exemple, j'ai mon clignotant qui se trouve ici. Là, on le retrouve dans le Oui, je rétro à trouve ça l'intérieur. vachement bien qu'il soit là. Après, bon, si on tape un rétro, il n'y a plus de clignotant. Ouais, mais bon, ça de toute façon, c'est toutes les voitures comme ça maintenant. Et je trouve que les voitures de jeu d'aujourd'hui ont des rétros surdimensionnés. C'est normal, mais bon, après. Moi, je fais référence à la C5. La C5, c'est une voiture, elle fait presque 5 mètres de long. Le rétro, elle est comme ça. Ouais, c'est vrai que On aurait c'est dit les nouvelles normes. Hein. C'est les nouvelles des normes, petites ça. oreilles de. Je ne sais pas trop quoi là, mais. Ensuite, on continue donc avec ce petit trait ici, qui est une petite référence au 205. On retrouvait au même endroit, vous retrouverez d'ailleurs sur la 205 de René. Il parlait justement de ces petits inserts en plastique. Ici, on le retrouve. Et sur les finitions GT Line, Il y a on marqué retrouve GT Line. ici GT Line. Donc ça, c'est un petit clin d'œil au passé. Je te propose, tout à l'heure, tu as été un petit peu choqué par la trappe à essence. Je te propose de l'ouvrir. Alors, faut appuyer. Ah, Ah, t'as mais verrouillé la la voiture. voiture est verrouillée, ouais. Bravo, là, tu te fais passer pour un con. Voilà. Et elle s'ouvre en diagonale. Ouais, elle s'ouvre en hauteur, mais surtout elle est très large. Elle C'est est ça qui super t'a. énorme. J'ai dit, putain, c'est quoi ce truc? Alors, comme je disais à René, je pense que c'est pour pouvoir adapter sur les I208, pour pouvoir placer les prises électriques. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi large. Ouais, je fais une annotation. Le con qui roule avec ça ouvert, il veut. Ah, c'est Hein. clair. Voilà, ensuite donc on continue avec donc la voiture vient de se refermer. On Voilà, le continue détail que avec j'adore, c'est ça là. la partie arrière. Le Complètement bandeau blanc. noir Ouais, le qu'on bandeau retrouve noir. sur toutes les Peugeot récentes. Ça, c'est sur la 508 là. Ouais, alors pour tout vous dire, c'est la première fois que j'approche une 208 d'aussi près. C'est la première fois que donc je monte dans une 208. Et le haillon, je le voyais pas aussi bombé. Si vous pouvez bien. C'est Voir de quoi cette partie-là, tu veux dire? non cette toute cette partie-là en fait quand on là sur la vidéo j'ai l'impression que ça se voit un petit peu moins mais quand on l'a devant nous c'est vrai que Oui, effectivement, je le oui, voyais pas aussi bombé, je le voyais plus plat. On avait plus l'habitude sur toutes les Citadines, la gamme 200 de d'avoir un chez cul Peugeot, plat. d'avoir vraiment, ouais, voilà, un plat, la 207, la 206, même la première 208. C'était assez plat. Là, on retrouve quand même que c'est assez bombé. Et puis, un genre de béquet Ben, on dirait qui est très joli. C'est vrai que Qui donne un côté sportif à la voiture. faut s'imaginer sans le béquet. Juste Ouais. avec la partie jaune. Ouais. Et je trouve qu'il manque un truc direct. Ça fait trop simpliste. Là, avec ça,
le feu qui est à l'intérieur, ça donne vraiment un côté aérodynamique, un côté sportif qui est dans les gènes de Peugeot. C'est vrai. Ici donc les logos Peugeot que je trouve très bien placés, très jolis. Et puis ici 208. Et puis on peut remarquer que la signature de ce 208 a complètement changé. La typographie de la nouvelle gamme Peugeot, elle est vachement bien. Elle est un peu plus carrée. Il y a des coins un peu partout. Ensuite, vous voyez aussi ces éléments-là, ce trait qui fait tout comme ça, avec ici le renfoncement. Je trouve que c'est très joli. Et puis, tout à l'heure, René me l'a fait remarquer. Enfin, je l'avais déjà vu, mais il en a reparlé aussi un petit peu après. On a ce feu de brouillard qui est placé juste ici, qui est un clin d'œil à la 206. Si vous regardez la 206, son feu de brouillard est placé plus ou moins au même endroit. Et puis, on a un effet de diffuseur. Alors là, c'est un petit peu dans l'ombre, mais on a un trait ici et un trait ici. Voilà, un effet un petit peu diffuseur. Franchement, sur la 208 GT Line, à mon avis, ça doit vraiment être très, très beau. Déjà que celle-là, sur une finition plus ou moins classique, c'est une, je trouve, une très belle voiture. Mais alors, sur la finition GT Line, ça doit vraiment avoir de la gueule. Un jour, peut-être que vous allez me rectifier, n'hésitez pas en commentaire, mais j'espère que la future 208 GTI, s'il y en a une, je dis bien s'il y en a une, parce que pour le moment, on n'en entend pas parler, j'espère qu'ils vont faire un élargissement un peu du train, tu vois, que ce soit un peu plus costaud. Ça lui donnerait un look, mais... Moi, je pense pas qu'ils vont la modifier, je pense que c'est surtout des parties esthétiques, des pare-chocs, etc. Ça sera déjà plus bas dessus. Mais tu vois, ce côté-là, là, au lieu qu'il soit un peu renfoncé, qu'il soit vraiment un peu costaud, tu vois, ça lui donnerait un look, mais vraiment racine. Ensuite, on continue avec la signature lumineuse à l'arrière. Donc, comme on vous le parlait, c'était donc derrière ces petits caches, on a juste des ampoules. Et puis, alors, je sais pas si vous allez voir le clignotant. Je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, donc vous voyez, c'est que de l'ampoule. Hein. Voilà, donc ici, on a les catadioptres qui sont placés ici. Et donc, les trois signatures, la signature lumineuse Peugeot avec les trois griffes du lion. Alors d'ailleurs, je me suis posé une petite question. Pourquoi que trois griffes? Est-ce qu'un lion a vraiment trois griffes? J'ai jamais fait attention à ça. Je pense quatre. Mais bon, alors franchement, j'ai jamais regardé le nombre de griffes sur un lion. Bon, après, l'autre côté, c'est strictement la même chose. Petite particularité aussi, vous voyez sur le toit, il y a l'antenne qui est placée ici. Des fois, c'est intégré dans la lunette arrière, des fois, c'est sur le toit. Ouais. Ou rien du tout. C'est vrai que sur. Bah, je pense que maintenant, en 2020, je pense qu'on pourrait faire des voitures avec les antennes qui sont plus même comme ça. Gamme, hein. Ça irait bien. Ouais. Même noir au cas où. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la partie intérieure, mais je vais juste vous montrer une dernière fois parce que on n'a pas montré en détail du coup l'intérieur du phare. Donc vous voyez les petites stries là qui sont sur le côté, et puis donc les LED elles sont cachées tout derrière. Je vais essayer de vous les vous faire voir un petit peu. Moi, je trouve regarde la vidéo. Là, ouais, toujours les LED. Ouais, ça fait. Ça fait toujours ça sur les vidéos. On dirait qu'elle bouge, c'est sympa. Ouais. On n'a pas montré le moteur aussi. Ouais, bah, je te propose de l'ouvrir et puis on va regarder un petit peu le moteur. Donc, que je rappelle, est un 1 litre de PureTech, donc 3 cylindres, moteur essence. Donc, que René va nous montrer tout de suite. Comme ça, vous pouvez en même temps regarder encore un petit peu la calandre. Allez, on attaque. On vous fait voir le moteur. Voilà, la barrette est juste ici. On place là. Voilà, donc un moteur quand même qui prend beaucoup de place. Il est gros, hein. Ouais, il est gros. C'est sûr que c'est un 3 cylindres. Bah écoute, moi sur ma. Oui, c'est un 3 cylindres. J'ai soulevé tout à l'heure la petite plaque en plastique. Et c'est bien un 3 cylindres. Par contre. Voilà, c'est vrai. Voilà, donc un moteur bien compact. On retrouve pas mal de pièces PSA comme le bouchon de remplissage du moteur. Enfin, d'huile moteur. Oh, ça, et ça a 20 ans. Ça, c'est des bouchons sur ta 406, tu l'avais déjà. Il me semble, ça c'est pareil, le bouchon comme ça, c'est un bouchon que j'avais acheté pour ma Xara. La couleur de la jauge à huile, elle est fade un peu, elle est verte. Ouais, elle est vert amande. Ouais. Et ben, ouais. C'est un détail. Et le calculateur qui est juste ici, là, vous voyez ici le calculateur. Et ben, cette fois, ils n'ont pas fait la connerie de la souder avec la batterie. Hein. Ouais, c'est vrai. Par contre, le support batterie est énorme. Ouais. Allez, on passe tout de suite à l'intérieur. Allez, donc, comme d'habitude, le petit rituel, je vous fais voir ce qu'on voit quand on ouvre la portière conducteur et puis je vous ferai voir plus en détail la planche de bord après de l'autre côté.
Donc voilà, vous pouvez voir que c'est comme ça. Bon, alors la 208 est une voiture qui se vend bien puisqu'on la voit, on peut la croiser quand même Assez souvent. assez souvent sur les routes. Donc c'est une voiture qui commence à être connue. La planche de bord, l'intérieur de chez Peugeot, c'est pareil, ça commence à être bien connu puisqu'on retrouve ce dessin quand même sur les 508, les 3008, les 5008. Donc c'est quelque chose qui commence à être connu pour les plus avérés, Ben, les c'est plus la nouvelle gamme, avertis. hein. Donc la portière. Alors la portière ici, qui est très jolie. Alors on a par contre du plastique dur, mais pas partout dans la voiture, vous le verrez après. On a du plastique dur ici. Par contre ici, on a donc un petit peu comme dans le 3008, mais dans une Ben, matière c'est-à-dire différente. que c'est du plastique avec un effet Voilà, effet carbone. carbone qu'on retrouve, je crois, sur la 508. Ouais. La barrette ici, juste en dessous, avec les petits rappels orange que vous retrouverez un petit peu aussi À ailleurs dans la l'intérieur. voiture. Mais ça, j'aime beaucoup. Avec ici la continuité, mais par contre dans un noir brillant par rapport au noir mat qu'il y a juste en dessous. Donc ça, franchement, je trouve que c'est vraiment une très belle partie. Après, on retrouve du plastique dur de partout. Un petit morceau de tissu ici. Les commandes, donc vitre électrique seulement à l'avant. Encore un manque d'options de ce côté-là. Bah après, ça reste une voiture de location, c'est une voiture de prêt, donc ils vont pas s'embêter à avoir Oui, non, mais je veux dire, voilà, c'est bizarre, enfin, c'est rigolo quand même qu'il y ait des belles options et d'autres parties un petit peu moins optionnées, quoi. Mais l'arrière a D'ailleurs, toujours été une option, hein. comme René vous l'a fait remarquer, donc c'est une voiture de prêt, on retrouve, enfin, une voiture de courtoisie. On remercie la carrosserie Gérini qui se trouve à Digne-les-Bains qui m'a fourni cette voiture en attendant que ma DS4 se fasse réparer suite à l'accident que vous avez dû regarder sur notre petit vlog il y a quelques semaines, Sinon, allez le voir, vous qu'on avez a du eu, temps pour voilà. moi. Un petit accident qu'on a eu avec la 406 de René et puis ma DS4. Donc ma voiture est en réparation et actuellement, donc la 208 de la carrosserie Gérini Digne-les-Bains qui me l'a prêtée pour quelques jours. Donc vous voyez, on continue donc la suite de la présentation avec la portière, le haut-parleur Le qui se trouve haut-parleur, je ici. trouve qu'il est vachement bien dessiné. Et puis donc après, il n'y a pas de barrette de seuil d'entrée. Voilà, et puis le siège qui est comme ça. Donc bon, un maintien latéral qui n'est pas terrible. Mais je trouve que Ben, le ça se siège, la voit, hein, sellerie est très c'est très belle. le Alors maintien c'est tout du latéral, ouais. tissu, hein, mais vous voyez donc C'est avec matraché. un genre de tissu gris un peu pied de poule, avec ici une surpiqûre orange que je trouve est du plus bel effet. Alors pourquoi on retrouve pas mal de touches orange? Eh ben j'en sais rien. Est-ce que toi tu sais? Ben, c'est peut-être une option de couleur, hein. Voilà, C'est sûrement une option de c'est couleur. peut-être la signature Moi, ce que, de voilà, couleur de la c'est ça. 208. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est matelassé. Ouais, voilà. Par C'est contre, très, on a franchement, c'est des beaux sièges, hein. des supports lombaires. Ceux-là, ils sont, on le sent là. Ouais. Son support lombaire qui sont super sympas. Par contre, un truc, je suis un peu déçu, c'est l'appui-tête. Aucune surpiqûre. Qui, ouais, et puis qui se règle pas Il ni. dénote Par du contre, tu siège. vois, là, C'est pas la même couleur. on peut le voir sortir un petit peu et on peut le voir rentrer. Je trouve que quand même, quand c'est rentré, ça rend le siège un petit peu plus joli. Ben, Par j'adore. contre, tu vois, Ben oui. il y a une dénotation de couleur. Ici, c'est vraiment noir et ici, on retrouve du Ben, c'est gris. ça que j'aime pas. Voilà, ça coupe un petit peu, c'est dommage. Moi là j'aurais mis des surpiqûres orange de partout et là aussi. Ouais. Avec du tissu gris peut-être là et noir là. Ou gris comme ça là et gris comme ça là. Mais Donc pas. voilà, on va passer donc la partie arrière, la portière qui s'ouvre comme ça, vous voyez. Donc je pense que la partie arrière Elle est est arrachée. complètement vierge, puisque la voiture, comme on le dit, est toute neuve. Donc à mon avis, il n'y a jamais personne qui Tu s'est crois assis qu'on l'a à dépoussiéré? l'arrière. Bah étant donné que le sol est mouillé, Non. je pense que ce serait dommage de salir les tapis, Bon ben madame, bêtement. t'es dépoussiéré Voilà. toi aussi. Voilà, donc les sièges avec la partie arrière, les petites pochettes à l'arrière aussi du dossier, les surpiqûres qui courent jusqu'ici quand même, hein, donc ça c'est plutôt Ça fait joli, et complètement puis nouveau. également l'effet gris. Bon, là il y a une petite poche qui est toute douce. Et puis ici on a une petite manette, alors je sais pas, ouais T'es sûr que c'est, c'est une manette? non même pas, c'est une étiquette en fait. Donc c'est une banquette 2/3, 1/3. Elle a l'air quand même vachement droite. Bon, je me suis pas encore assis dessus. Mais Et elle a par l'air contre, les bien. sièges, bon bah voilà, hein, encore tu disais, pardon, cette espèce de matelassé là, voilà, c'est pas mal. Par contre, bon, vous voyez la Par contre, portière. il y a un détail, c'est que là, je vois que de plus en plus, il y a des housses déhoussables à la. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bah, là on peut voir aussi qu'il y a des fermetures éclair. Donc ça veut dire que, je sais, à mon avis, il faut démonter complètement le Bah, sur la siège et DS, c'est la pareil, je débrancher, crois. Hein. Je mais crois que on j'ai des peut les laver, fermetures. quoi. Ouais. Ou les changer sans devoir être obligé d'enlever tout le bordel, quoi. Par contre, on a un espèce de downsizing
au niveau de l'habillage de porte arrière, puisqu'on n'a pas cette espèce de barrette là, orange. Et ici, on n'a pas non plus. On a la forme, on a le dessin, mais on n'a pas non plus l'effet carbone. Allez, je passe vite fait la partie passager. Et puis, René, je te propose. Donc, la clé est comme ça. C'est une clé de Peugeot. Voilà, une clé de la même clé que la 208 de José. Par contre, je vous fais pas voir l'autre côté puisque il y a la plaque. Il y a l'immatriculation du véhicule, donc on va rester dans une certaine anonymat. Donc je vous ferai pas voir l'autre côté, mais il y a juste le logo Peugeot. Hein. C'est très classique. Je te propose de pouvoir mettre le contact. Alors on va continuer la planche de bord, mais avant ça, on va vous faire voir la cinématique du compteur. Lorsque René va nous mettre le contact. Voilà. Donc on a le, comme vous avez pu le voir, on a la. Est-ce que les, j'ai pas vu. La cinématique oui, Peugeot voilà. qui sont là. Dire, les compteurs qui font à l'endroit, à l'envers, jusqu'en haut. Par contre, un truc qui me choque, c'est que les compteurs, le contour, pardon, est à l'envers. Ouais. Moi, ça me. Ça m'a perturbé aussi. Il y a quelle voiture aussi qui a les compteurs à l'envers comme ça d'origine? Alors, je sais pas de tête comme ça, mais je sais que les Peugeot, les nouvelles Peugeot, c'est comme ça maintenant. Il y a d'autres marques qui l'ont. Mais j'aurais plus vu le contour à gauche et le compteur à droite. Ouais, et puis d'ailleurs, puis le contour, du coup, l'aiguille tourne dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Ensuite, ici, l'écran tactile qui est, je trouve, très fluide. Qui est très joli, très bien positionné, légèrement excentré vers le conducteur. Ce qui est super bien. Ici, on a les touches effet un petit peu piano, avec toutes les commandes. Hein, voilà. Vous avez les feux de détresse ici, et puis tout le reste, hein, le désembuage, les clims, etc. Voilà. Moi, un petit défaut, c'est que cette partie-là, elle dénote avec celle-là. J'aurais bien aimé que cette partie-là soit légèrement tournée vers nous, du même angle que l'écran. Tu vois, ça aurait évité que ton doigt là, aille vraiment plus loin, parce que du coup, ça aurait été là. Tu vois, ouais. Ça aurait fait ça. Bon, après, ça aurait dénoté avec cette ligne-là, c'est différent. Ouais. Ici ensuite, donc on a des rangements. J'aime beaucoup. Peut-être sur des versions un peu plus haut de gamme, on a peut-être un chargeur induction. Ouais. Ensuite, on a une prise USB qui est ici, qui est bien placée. C'est pratique. Ici donc la planche de bord. Avec un très beau dessin, vous voyez, hein, c'est bien dessiné, les nouvelles moussée, Peugeot. Elle est moussée. Donc c'est moussé jusqu'au pare-brise. Hein. Donc je le disais tout à l'heure, on a du plastique dur, mais pas partout, parce que là, vraiment, on a vraiment une finition très propre pour une citadine. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que sur ce genre de voiture, on n'a pas forcément l'habitude de retrouver ce genre de plastique, surtout sur du généraliste, surtout français d'ailleurs. Mais bon, franchement, c'est très propre. Ici, l'effet, alors quand on ferme la carbone, portière, ouais. L'effet carbone qui va continuer. Donc vous voyez, il part de la portière et il court jusqu'ici. L'effet carbone avec le beau plastique qui court jusque là. Et là, ça fait le coup. Et qui, franchement, c'est très beau. Je dirais qu'on s'est bouffé, mais sinon, ça va. Voilà, le petit volant, donc comme j'en ai parlé avec la petite finition, le petit logo Peugeot juste ici. Voilà. Volant deux branches. Bibranche, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, mais bibranche. Voilà, bibranche. Et puis ici, moi qui est toqué de ça, c'est chiant. Le canard laqué. Toujours là, en train d'essuyer, même en essuyant, il faut toujours avoir un microfibre avec soi, parce que sinon, on est toqué. Voilà, donc le petit volant, franchement, d'une belle forme. Je vais juste vous faire écouter le klaxon, si vous arrivez à l'entendre. Oh, voilà. Ça fait trembler les pieds. Klaxon vraiment très bizarre, voilà, je trouve que c'est dommage. Il est puissant quand même, ça va. Ouais. Alors ici, la boîte à vitesse, qui est une boîte 6. Rare pour un 75 chevaux. Voilà, une boîte 6, et puis ici donc une prise 12 volts, des portes gobelets, un petit rangement ici. Le frein ici. À main, je sais pas le d'où il sort, qui l'a fabriqué, mais alors là, faut qu'ils arrêtent. Voilà. Limite, ils auraient fait un frein à main comme dans la Ford Focus, qui se tire comme ça, ça aurait été beaucoup mieux que. Ça, je sais pas d'où ça sort. Et puis les aérateurs que je trouve très jolis, positionnés comme ça, un petit peu en hauteur. Mais je trouve qu'ils sont quand même. On dirait qu'ils sont orientés vers le bas. Et puis donc un petit insert chromé aussi, et puis encore un insert chromé avec cette bande en plastique en noir laqué qui court jusque donc toutes les commandes de bord, et puis donc cette barre chromée également qui va même être continuée sur les aérateurs et sur le compteur aussi. Voilà, c'est vrai. Sur le compteur et puis en dessous du. En ce qui concerne donc les options, bon, c'est un écran de 2020 hein, avec tout ce qui a besoin, le GPS. Bon là, mon téléphone n'est pas connecté, mais sinon, bon, il y a le Android Auto.
Alors, pour la petite anecdote, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'utiliser un vrai Android Auto. Et franchement, c'est sympa, avec une commande vocale ici. Donc, on n'a pas parlé aussi sur le volant. On a donc les commandes au volant. Hein, Bon, bah, ça c'est c'est du plus généraliste, basique. ouais, On a basique, ouais. aussi. Alors, je sais pas si je vais. Bon, je vais pas réussir à vous le faire voir. Ah Mais on non. a aussi le vieux Komodo de limiteur régulateur de vitesse qui existe depuis au La moins 20 ans. 206, depuis la Voilà. 206. Et puis, les vieux Komodo aussi PSA qui n'ont pas changé. Mais ça, c'est Voilà. dommage d'avoir des Komodo de 206 première génération qui datent des années fin 90, début 2000. 97 si je me trompe pas la première Mais est-ce qu'ils 206. y étaient en 99? Je sais pas. Oui, bah de toute façon c'était. Alors qu'ils remodèlent tout sauf ce bouton-là. Enfin, franchement, ils auraient pu faire un bouton un peu plus Et stylé. ça coûte moins cher. C'est Ben ben, oui, mais sur quand la tu DS j'ai refais une exactement voiture, le même quand tu Komodo. refais une voiture, fais-le à fond, alors fais rien. C'est sûr. La boîte de vitesse aussi qu'on n'a pas parlé, il y a un petit insert chromé, enfin un petit peu alu ici. Et nouveauté sur les boîtes PSA, alors je sais pas depuis quand. Mais je sais que ça n'y était pas avant. On a une petite bague pour passer la marche arrière, comme par exemple sur les voitures allemandes. Ou Avant, sur non. les anciennes Renault. Ouais, aussi. Avant, il y avait, on passait comme ça à la place de la boîte 6, en fait. Enfin, de la sixième vitesse. Ici, donc, le petit bouton pour la radio, le son et enfin, Tiroquet. activer ou pas activer l'écran, enfin, la radio. Et puis, donc, toutes les options, on en revient à cet écran avec tout ce qu'il faut. Bon, là, il n'y a pas de téléphone connecté, mais on a toutes les options ici. On va pas vous faire, je pense que vous trouverez des meilleures vidéos pour vous expliquer l'intérieur. Et puis, de toute façon, c'est simple, ça commence à être connu, donc on va pas vous montrer toutes les options. De toute façon, ça reste quand même assez basique, globalement, mais après la vidéo, elle durerait 3 quarts d'heure, ce serait beaucoup trop long. Et vous en avez peut-être rien à foutre de savoir comment marche une Voilà, après, radio. bon, Ça, par contre, j'aime pas. Parce ouais, c'est moins qu'on est pratique. là à titiller, je sais pas si j'appuie sur C'est le vrai que plus, le moi, moins. je, comme tu le disais tout à l'heure, je préfère quand même les molettes, les Même si on fait boutons. ça, c'est pas. Mais voilà, regardez, le tactile, il est Bah, pas. si, il est pas mal, mais bon, Mais quand on regarde pas la route, c'est tu pas perds aussi 5 secondes, pratique. ouais. C'est pas aussi pratique. Ouais, c'est vrai. Tu quittes la route des yeux et ça j'aime pas. Après, c'est mon avis personnel. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis ici, le plafonnier avec bon bah les ceintures bouclées ou pas, et puis les éclairages, le Voilà. Bluetooth, il y a GPS, Bluetooth, tout ce que vous voulez, la prise USB, Android Auto. Enfin, Donc, vraiment, pour une voiture qui est à elle est peu bien près bas de équipée. gamme, elle est quand même équipée assez passablement bien. Voilà, elle est assez bien équipée. Bon bah voilà. Ah oui, un petit truc que j'aimais aussi, c'est les petits tweeters qui sont placés ici, là. Voilà. Oui, effectivement, tu as raison. Et puis le pare-brise, on n'en a pas parlé aussi. La première fois que je suis monté dans cette voiture, j'ai trouvé que le pare-brise était assez Et bien, petit. maintenant que c'est la première fois que je monte en conducteur, du coup, je me suis mis en position de conduite comme si c'était moi qui conduisais. J'avais un a priori, même pas un a priori, j'étais monté dans les premières phases des 208, où avec le petit volant, les compteurs qui étaient là, j'avais pas aimé. Et puis là, je sais pas, j'aime, bon, j'aime toujours pas forcément, mais c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Mais la position de conduite avec le pare-brise, il aurait dû être un peu plus haut. Là, j'ai l'impression qu'il nous coupe quelque chose. Avant de terminer, il y a une petite molette ici qui va vous servir en fait à activer Ah, sur l'écran. voilà, le maintien dans la voie. On a essayé, bon, on n'est pas très fan de ce genre d'option, mais il y a le maintien dans la voie. Il y a ici les panneaux, voilà, interdiction de doubler, etc. Voilà, cette Là, la petite molette. Et puis ici, on consommation. a la conso. Alors, vous pouvez voir, hein, Du coup, c'est quoi ce numéro 2 on là? a fait 30 km en petite sortie. En fait, c'est le deuxième mode, en fait. Le D'accord. numéro 2. On a fait donc 30 km, là on vient de se balader, donc on fait du 7 litres au 100. Bon, pour un essence, je trouve que ça consomme un petit peu, mais vous voyez aussi que la moyenne est assez basse. Donc voilà. Après, on n'a pas fait des Après, longues routes de nationales, donc on n'a pas une consommation qui est puis on n'a parfaite. pas non plus, on n'a pas, je veux dire, peaufiné notre conduite à faire le moins De pollution de possible. voilà, enfin, à moins consommer possible, quoi, voilà. Bon, ben Voilà pour voilà. ce qui concerne cette Peugeot 208 de deuxième génération dans une finition assez classique, qui est quand même très belle avec notamment les options LED, full LED à l'éclairage et à Voilà, l'avant. l'intérieur avec ce faux carbone. Voilà, donc une très belle voiture. Moi, j'aime bien. Alors, René, tout comme moi, on n'est pas fan de citadine, mais c'est vrai que c'est une bonne Moi, je suis voiture. plus En pour voiture, en berline. voiture daily pour aller travailler, Oh, etc. c'est parfait. Je trouve que c'est une très bonne voiture. Ça passe partout. Et puis on n'a pas parlé aussi de la couleur, ce jaune moutarde que vous pouvez retrouver ben, là sur dans le rétro. Bon, on n'a pas le nom exact de la couleur. Alors j'ai ouais voilà, c'est un espèce de jaune moutarde. Je trouve que c'est très joli. J'aime bien cette couleur. Ouais, J'aime bien ça lui les va bien. couleurs qui changent, les couleurs un petit peu flashy. Je trouve que c'est joli, Après, puis c'est à la mode aussi ouais, d'ailleurs. j'ai essayé de l'imaginer en gris. Bof. Après c'est un peu plus passe-partout. Celle-là on va
plus la oui, remarquer. La remarquer, ouais. Elle passe un peu moins inaperçue. Oui. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Encore merci à la carrosserie Gérigny à Digne-les-Bains pour le prêt de cette voiture. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas de partager, liker et commenter. Vous abonner à notre chaîne YouTube RFLJ Auto Collection, Instagram, Facebook. Et à parler de nous. Voilà, et nous on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.